Bonjour. Confortable ? Oui, toi. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter à nous, s'il te plaît ? Alors moi, je m'appelle Sidra Hashmi, je suis une étudiante en quatrième année dans criminologie et études de femmes en régime universitaire. Parlant de ton programme, donc criminologie et études des femmes, selon toi, quel est le meilleur aspect d'étudier dans ce programme? Moi, j'ai beaucoup de profs qui m'ont présenté différents concepts, alors j'ai appris beaucoup de choses qui intersectent entre les deux et juste que les deux sont si flexibles, alors parce qu'il y a beaucoup de différentes approches d'apprendre les différentes théories et juste plusieurs perspectives, alors j'adore les différences et les similarités. Sidra, en quoi ton programme se distingue? Pourquoi avoir choisi celui-là? Alors, je crois que le meilleur aspect, c'est que les deux sont vraiment similaires, mais aussi si différents. J'apprends beaucoup de différentes choses à travers les deux disciplines et les deux, ils m'ont montré beaucoup de défis dans le monde, mais aussi beaucoup sur l'activisme et la justice sociale entre les deux. Est-ce que tu peux me nommer un défi que tu as rencontré en tant qu'étudiante ici, mais que tu as su surmonter éventuellement? C'était la gestion de temps, juste parce que je me souviens dans la première année, lorsque il y avait beaucoup, comme tu as l'école et puis j'ai le travail, tu fais de la bénévolat. Alors pour moi, j'ai appris comment le gérer, mais ce n'est pas facile. Ça a pris, comme je dirais, au moins 2 ans et puis j'étais beaucoup plus efficace avec mon temps. Et finalement, que dirais-tu à un étudiant qui envisage de s'inscrire à l'Université d'Ottawa, plus particulièrement dans ton programme? Alors, je dirais de se garder ouvert, parce que si tu n'es pas optimiste, tu vas manquer plusieurs opportunités. Parce que moi, par exemple, j'ai fait un stage en Malawi, j'ai aussi fait un stage au Boulder dans l'Ottawa. Alors, si j'aurais juste resté avec une but en tête, j'aurais manqué toutes les autres choses. Alors, parce qu'il y a beaucoup de différentes façons qu'on peut s'impliquer. Alors, si tu veux être une étudiante à l'université, tu ne veux pas manquer toutes les diverses opportunités, parce qu'il y a probablement comme une aventure que tu veux pas manquer. C'est parfait. Ouais. Ça va, écoute, merci de nous avoir donné tes réponses. Et à la prochaine.